La comédienne, qui a déjà dû faire face à de nombreuses chimiothérapies suite au diagnostic d'un cancer du sein, fait aujourd'hui le point et annonce une évolution négative de sa maladie. En 2015, plusieurs années après une retraite télévisuelle forcée, Shannen Doherty annonçait être atteinte d'un cancer du sein. Le diagnostic avait été posé tardivement, si bien qu'un an plus tard, il s'était considérablement étendu, l'obligeant à subir de longues séances de chimiothérapie. À l'époque, elle avait souhaité médiatiser son combat, notamment avec l'aide de la star de Buffy contre les vampires, Sarah Michelle Gellar. Mais en 2020, la comédienne de Beverly Hills et de Charmed révélait que son cancer faisait une récidive, et qu'elle souffrait également de la maladie de Crohn. Je n'ai pas fini avec la vie, Shannen Doherty face à une résurgence de son cancer 3 ans plus tard, une autre nouvelle malheureuse est venue s'ajouter aux autres, le cancer s'était propagé au cerveau. Mais le combat de Shannen Doherty semble éternel, puisque ce mercredi 29 novembre, la comédienne annonce encore une mauvaise nouvelle concernant son état de santé. Après le cerveau, le cancer s'est désormais établi dans les os. « Je ne veux pas mourir », a-t-elle lancé au magazine People, « Je pense que j'aurais peur de la mort si je n'étais pas une bonne personne, mais je suis une bonne personne. » Elle explique donc ne pas avoir peur, sans pour autant renoncer, « Je ne veux juste pas mourir. » Je n'ai pas fini avec la vie, je n'ai pas fini avec l'amour, je n'ai pas fini de créer, j'espère que les choses vont changer pour le mieux. Je n'ai tout simplement rien fini. Shannen Doherty pleine d'espoir malgré son cancer généralisé. Shannen Doherty en est convaincue, mon plus beau souvenir est encore à venir. Une déclaration tragique, alors que les jours de la comédienne, très impliquée dans les œuvres de bienfaisance ayant pour trait l'éducation des jeunes et la lutte contre le cancer, semblent compter. L'espoir demeure, et en médiatisant son combat, elle espère le transmettre à tous les autres malades à travers le monde. Gageons que celui-ci continuera pendant encore longtemps. Tears.